Bonjour à tous. Donc la dernière fois, nous en étions restés à, comment dire, à modifier la forme de nos barres transversales pour qu'il y ait la place pour la barre centrale et se mouvoir librement. Mais on a des bouts qui dépassent, etc. Donc la première chose qu'on va faire tout de suite dans cette vidéo, c'est de finir ces barres latérales. De corriger une erreur dont certains se sont rendus compte qu'elle a eu lieu dans la dernière vidéo, avant de continuer et d'aller plus loin. Allez, on démarre tout de suite. Donc, on va commencer par couper ces barres. Pour les couper, on l'a déjà fait. On met un plan offset. À part que on sélectionne donc la face, mais l'offset il est de 0. On refait la même chose ici. C'est pareil, on m'avait posé la question la fois précédente pour savoir si on aurait pu couper les deux barres en même temps. Non, parce qu'il y a un outil de coupe et un but, un target de coupe. Donc le target, il peut y en avoir qu'un. Les outils de coupe, il pourrait y en avoir plusieurs. Là, on va faire, donc c'est le plan qui va nous servir d'outil de coupe. Et c'est pareil, on ne peut en faire qu'un seul à la fois. Alors, c'est dans Modify, Split Body, le Body to Split, donc le corps, le corps, non, le volume à couper, c'est celui-là, l'outil de coupe, eh bien, c'est le plan qu'on vient de créer, et voilà, c'est fait. On refait la même chose, Modify, Split Body, le Body, c'est toujours le même. Il faut dire select, l'outil de coupe, c'est ça. Et voilà, c'est fait. Donc, on est ici dans notre barre de séparation gauche et on voit qu'il nous a créé tout un paquet de volumes différents. Alors, on va repérer les volumes que l'on veut éliminer. Alors, celui-ci, on lui dit remove. Celui-ci qui est le 8, on lui dit remove, donc on l'enlève. On ne le sait, il y a une différence qui est un peu subtile dans Fusion 360 entre enlever et supprimer. Si on fait supprime, on a des problèmes avec notre historique, alors que enlever, je pense qu'il garde une trace de ce qu'on enlève et donc ça va très bien pour l'historique. Donc c'est fait. On n'a plus besoin de voir, pardon, nos. Si c'est bien là. Ah, j'ai fait une erreur, quoique. Oui, les constructions, il nous les a mis ici. Et ça devrait pas. Donc, on va aller mettre ça ici. Non. On va le laisser comme ça, mais j'aurais dû sélectionner avant. On va simplement les cacher, on n'en a plus besoin. Donc là maintenant, notre barre transversale de séparation, enfin oui, transversale, c'est pareil, gauche, a bien la forme qu'on veut. Simplement, elle est constituée encore de trois corps différents. Et c'est pas nécessaire, donc on va les sélectionner. Et dire que le 5 aussi on va le sélectionner puisque ça aurait pas dû être séparé non plus. Et on va donc dans Modify, Combine. Alors il nous a sélectionné tout seul puisqu'on les avait sélectionnés avant. Un target, trois outils. Et on fait ça en une seule opération. On ne dit pas Keep Tools parce que sinon il nous garderait les corps qu'on veut assembler, les formes, les volumes qu'on veut assembler. Là, on fait OK et on se retrouve avec un seul volume pour cette barre, ce qui est quand même beaucoup plus logique. Voilà, hop. Qu'est-ce qui me fait là? Ça, c'était pas prévu au programme. J'ai dû cliquer sur un truc
Sans faire exprès. Bon. On répète la même opération pour notre barre de séparation droite. Que ça serait mieux si je la voyais. Elle est là. Donc cette fois-ci, on va faire ça convenablement. Voilà. On va donc aller créer nos plans de coupe. J'ai un warning parce qu'il me dit que c'est pas visible, donc voilà, comme ça ils sont visibles et celui-ci j'en ai pas besoin. Voilà, donc même chose, on fait modifie split body. Le body to split c'est celui-ci, l'outil de coupe c'est celui-ci. Ok. C'est toujours le même. L'outil de coupe, c'est celui-ci. Ok. Voilà. Donc maintenant, on peut aller cacher nos plans de coupe. Ce qu'on veut éliminer. Et quand je clique sur la forme à éliminer, hein, ça se sélectionne aussi dans l'arborescence. Ce qui est quand même bien pratique de voir où on en est. Et on lui dit remove. Ici c'est pareil, c'est le 5. On lui dit remove. Maintenant nos bodies qui restent, on les assemble tous. Donc modifie combine. Ok. Voilà. Et dernière petite chose, pour que ça soit à la fois un peu plus facile à imprimer et un peu plus esthétique, on va aller mettre un filet ici, 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 ici et ici. Et on va mettre 2 mm. Ça devrait. Voilà, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ça fait une forme un peu plus souple. La base reste bien plate. Voilà, c'est pas trop mal. Donc même chose ici. Donc on peut lui dire repeat fillet. Donc on sélectionne ça. Ça. Alors pour faire une multi-sélection, hein, c'est toujours la même chose. Il faut avoir la touche CTRL enfoncée. Et on lui dit 2 mm. Et c'est bon. Voilà. Alors, donc, l'erreur de la fois précédente, c'est que lorsque j'ai positionné mes boulons sur la barre centrale, qu'on va refaire apparaître, et on va sélectionner l'ensemble ici pour voir ce qu'on fait. Voilà. Quand j'ai positionné mes boulons sur la barre centrale, quand j'ai fait le mouvement, le déplacement pour pour mettre les boulons en position, j'ai aligné la surface de la tête du boulon avec la surface des barres de séparation. Mais c'est faux, parce qu'en fait, on a un roulement entre deux, que d'ailleurs on doit pouvoir faire apparaître facilement si on fait, c'est d'ailleurs peut-être ce que j'aurais dû faire la fois précédente, une analyse de section. La face c'est ça, et on va reculer jusqu'à être à peu près au diamètre. Voilà, ça devrait être moins 8 si je ne me trompe pas, ça fait 16, voilà. Et voilà, on a le roulement ici et on a la tête du boulon qui est carrément à l'intérieur du roulement. Bah, il est clair que c'est pas ce qu'on veut et que c'est pas possible, hein, j'ai complètement oublié d'en tenir compte, donc on va réparer ça tout de suite.
Alors, on va réparer ça tout de suite, mais avant, il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse, c'est que cette barre centrale, on a fait un joint, c'est-à-dire qu'on a rendu solidaire, donc impossible de les bouger tout seul, les insère-laitons et les boulons. Donc là, si j'essaye de déplacer un boulon, en fait, je le déplacerai, mais je bougerai la totalité de la barre en même temps. Et c'est pas mieux parce que ça sera la barre centrale qui sera à l'intérieur des barres de séparation. Donc, il faut commencer par supprimer ce joint rigide. Et donc, là maintenant, je dois pouvoir aller sélectionner ce boulon-là et ce boulon-là et leur dire Move. Non, c'est pas sélectionner les boulons, ça. Alors, si je veux sélectionner le boulon, je sélectionne ça. Voilà, ça c'est le boulon. Sélectionne ça. Là, on peut faire Move. Et on va juste se déplacer donc en hauteur, sans chercher à ajuster. Non, ça va pas. Le rigid group suppress, ça suffit pas. Il faut le supprimer. Voilà. Donc je resélectionne mon boulon. Je resélectionne mon boulon. Je fais move. Ah oui, pardon, j'ai oublié autre chose. J'ai oublié. Il faut pas seulement supprimer le joint qui rend solidaire donc notre barre centrale avec nos barres latérales. Il faut aussi supprimer le joint d'articulation. Alors, il faut les rendre visibles. Sélectionner pour voir lequel c'est. C'est eux qui nous empêchent de déplacer en hauteur nos boulons maintenant. Donc celui-ci, alors on peut lui dire delete. Oui, puisque de toute façon. Et celui-ci, il faut aussi lui dire delete. Voilà. Donc maintenant, si je sélectionne ce boulon plus ce boulon et que je fais move, je vais pouvoir monter. Voilà. Ok. Bien, alors maintenant on refait ce que on aurait dû faire au départ, c'est-à-dire qu'on va sélectionner encore ce boulon. On lui fait un move à nouveau, mais cette fois-ci on sélectionne de point à point. Le point d'origine, ça va être le centre du cercle de la base de la tête du boulon. Et la destination, eh bien, c'est le centre de la surface. Oh. Ungrounded. Ok. Alors, c'est une modif que. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Alors, on va faire autrement. Si ça pose un problème,
On va faire aligne. On va aligner donc, ça revient à la même chose que move. On va aligner le centre de ce cercle avec le centre de ce cercle. Voilà. Ok. On répète, aligne depuis le centre de ce cercle, le centre de ce cercle. Voilà. Au centre de ce cercle. Ouais. Flip. Ok. Voilà, donc là, nos boulons sont en place tels qu'ils auraient dû être mis en place au départ sur le roulement. Alors, on va vérifier si c'est correct et on va aussi vérifier si nos boulons coupés sont encore assez longs ou pas. S'ils sont assez longs, bah c'est bien. S'ils sont pas assez longs, bon voilà. Donc, si vous vous souvenez dans la vidéo précédente, j'avais doublé, d'abord coupé le boulon de 20 mm à 12 mm. Puis, ils étaient encore trop longs, donc je les ai recoupés de 4. Les 4, c'est la hauteur de ma tête, ici, de la tête du boulon. Donc, pardon. Si c'était un boulon de 12, en fait, ça rentre, ça tient très bien. Mais le boulon de 8, bah, en fait, il est assez long et il tient aussi. Donc, ça pourrait être soit 8, soit 12. Ça serait peut-être un peu plus sûr en mettant 12 parce qu'on utiliserait un peu mieux notre filetage. Mais c'est pas non plus un endroit où il y a un gros effort. Donc, bah, voilà, on peut dire que 8, c'est correct. Et on va pas aller changer les boulons tout de suite. Voilà. Alors maintenant, il faut aller refaire nos joints, par contre. Donc, on va faire assemble. As-built joint. Donc, le composant qu'on assemble, alors, c'est en rotation. Le composant qu'on assemble, c'est donc celui-ci. Et... alors, on est sur laquelle de barre de séparation, là? Ils apparaissent pas mes roulements. 1, 2, 3. C'est bien celui-là. Donc on est sur la barre de séparation gauche. Donc ce qu'on assemble as built joint, c'est ce composant et ce composant. Ah, et c'est pas rigide, pardon. C'est revolute. Position select, donc la position c'est le centre du cercle et c'est bon. Ok, même chose pour notre autre joint ici, assemble, as built joint, composante select, ça celui-ci et le roulement celui-ci. Voilà. Alors revolute, position select, le centre. Voilà. Et c'est bon. Donc on a repositionné nos boulons là où ils devaient être. On va maintenant aller visualiser tout l'ensemble. Les joints, on peut les cacher. Ça n'empêche que y a un problème. Tout simplement parce que
Alors, go to home. Tout simplement parce que ma barre centrale, où j'ai supprimé le joint qui rendait l'ensemble solidaire, et je ne l'ai pas remis. Ce qu'il faut faire. Donc, barre centrale, isolette. Voilà. Assemble, rigid group. Ok. Donc, un à isolette. On y retourne. Et ça marche beaucoup mieux. Ah là là, la distraction des fois. Alors, ben pratiquement notre outil, notre gabarit de perçage, il est fini. Mais on n'a pas fini avec Fusion 360, loin de là. Et on va aller un peu plus loin. Déjà, on va faire. Alors, de façon très, j'allais dire, primitive, je vais vous montrer, on ne va pas faire parce que ça peut prendre du temps, mais comme j'ai déjà fait, je vais vous montrer. Ah non, si, j'ai encore oublié autre chose. Non, 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 on n'a pas fini. On n'a pas fini. Parce que, donc cette barre centrale, on va l'isoler à nouveau. Voilà. Il est clair que là, j'ai donc la capacité de percer des trous de 4 mm. Bon, déjà, faut que je sache que c'est du 4 mm. Et mais ça, on le fera pas tout de suite parce que c'est presque trop facile. Il suffirait de dupliquer cet objet et de refaire un trou à 6, un trou à 3, un trou à 5, 2, enfin les dimensions que vous voulez. Si ça devient trop gros, si on voulait faire du 10 mm ou du 12 mm, il faudrait agrandir la taille de notre guide ici, de notre support. Mais bon, voilà. Mais par contre, ce qui est utile, c'est d'aller. Je sais plus où c'est. Oui, c'est ça. Donc, je vais modifier légèrement cette barre pour simplement aller graver M4 de façon à ce que je sache que cette barre, elle est faite pour un trou de M4. Alors, normalement, on devrait déjà avoir un sketch utilisable qui devrait être dessus. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de recréer un sketch. On va tout simplement aller utiliser celui-ci. On va lui dire Edit Sketch. Alors, on ne sait pas vraiment qu'il y a un sens, mais il m'a caché. Ah, on est revenu en arrière. Ouais, non. On va revenir, on va refaire un nouveau sketch. C'est pas la peine de perdre tout ce qui a été fait depuis. Enfin, on le perd pas, mais de ne pas le voir, quoi. Là, ça sera quand même utile de voir un peu où on en est. Donc, on va aller faire un nouveau sketch. C'est pas grave. Sur cette surface. Et il m'embête toujours à vouloir tourner. Alors, dans ce sketch, ça va être du texte qu'on va venir taper ici. Et le texte, ça va être tout simplement M4. Alors, l'angle. Visiblement, là, ça va pas. Ça va pas non plus. Alors ça va être moins 90. Voilà. On le positionne
peu près centré. On va dire que c'est gras. Comme ça laisse un peu plus d'espace. Et on dit OK. Je suis pas sûr de. Ça va être plus simple. Où est le 4? Ah. Comme ça. À peu près égal. Bon, c'est vrai qu'on pourrait sûrement faire ça mieux. Stop sketch. Et on fait press pull. Alors on peut choisir de graver ou de faire le contraire, de faire que ça soit en relief. Ça, j'allais dire, c'est des goûts, des couleurs. Pour changer, puisque j'ai plutôt l'habitude de graver, on va le faire en relief. On va lui donner 2 mm, c'est beaucoup. 1,5. 1 mm. Ouais, allez, on va dire 1,2, histoire de chipoter. Je pense que c'est très suffisamment en relief. OK. Et on va. Non, c'est bien comme ça. Ah si, il y a encore une chose que j'ai oubliée. C'est pas vrai, j'arrête pas. Bon, alors, on revient sur notre sketch. Edit sketch. Faire ça comme ça. On va faire. On est bien sur la surface. Ouais. Donc, on va faire. Project. Notre body. Ok. Et là, on peut le cacher. Voilà. Donc, ce qui nous manque. Ah, et le centre du cercle. Le centre du cercle n'est pas exactement au centre de symétrie. Donc, il faut refaire une ligne. Elle. Qui va passer. Par ce centre. Sélectionne ces lignes pour dire que ce sont des lignes de construction. On appuie sur X. Je vais vérifier quand même qu'elles soient bien perpendiculaires. Perpendiculaires. Donc, entre ça et ça. Et entre ça. Il me dit
X. Bon, ok. Donc, ce que je vais faire, vous allez comprendre après, je pense. C'est une toute petite marque sur les bords de notre barre centrale. De manière à ce que lorsque je vais me servir de l'outil, non, on va faire 0,75 et 0,75. Alors, 0,75. Je veux monter à 45 degrés. Voilà. Ok. Et je veux maintenant faire un miroir. Je vais en faire deux, des miroirs en fait. Un miroir de cette ligne par rapport à cette ligne de construction. Pardon. Select cette ligne et mirror line cette ligne. Voilà. Ok. Et maintenant, je refais un miroir. Alors, donc, un nouveau miroir de cette ligne et de cette ligne par rapport à cette ligne. Ah! C'est de ma faute. J'oublie qu'il faut cliquer sur Select avant de sélectionner. Donc de ces deux lignes, et la ligne miroir, c'est cette ligne-ci. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant, on peut dire Stop Sketch. Par contre, il faut que je continue à voir. Donc, ce que je veux, c'est sélectionner ce petit triangle, sélectionner ce petit triangle, faire extrude. Alors, cut. Voilà. Donc cette petite marque qui est exactement dans l'axe du diamètre, enfin dans l'axe, pardon, du trou pour percer, va nous servir lorsqu'on utilise l'outil. Alors ce sketch, tu peux le cacher. Puisqu'en général, c'est une planche de bois et tout, on va faire une marque au crayon ou quelque chose. Et donc ça nous permettra d'aligner pour percer exactement là où on souhaite. Bon voilà, cette fois-ci, cette barre centrale est finie. Elle ne l'était pas avant. Alors, comme ben ça fait déjà une vidéo de près de 40 minutes, on va s'arrêter là, mais juste pour vous parler de ce qu'on va voir la prochaine fois, on va vous parler d'une fonction qu'on n'a pas encore du tout regardé et qui est la possibilité de aller créer ce qu'ils appellent un drawing from design. En français, on dirait un croquis-côté ou un plan avec les côtes depuis donc ce que l'on a créé. Pour faire une documentation, pour si on fait juste un prototype en impression 3D, mais qu'ensuite on voulait éventuellement aller fabriquer ça en métal ou quelque chose comme ça et le donner à une boîte qui fait de l'usinage, et on peut sortir les plans côté, etc. Enfin, on ne va pas forcément aller très à fond là-dedans. Je veux juste vous montrer ce qui existe et comment les bases, disons.
Et ensuite, alors ça sera peut-être pas la même vidéo, j'en sais rien, on ira voir les add-ins, donc les ajouts, les extensions qui peuvent nous aider pour certaines tâches spécifiques dans Fusion 360 ou en dehors de Fusion 360, mais qui vont plus loin. Et on regardera aussi ce que je pensais faire dans cette vidéo, mais du coup c'était beaucoup trop long, c'est du rendering. Donc faire un peu une image qualité photo. Ben, ça c'est pas long, je peux juste vous montrer ce qui a déjà été fait. Alors sur un champ de neige, on s'en fout un peu. Mais bon, voilà, ça donne un peu une image photo. Et je peux vous montrer quelque chose qui a été fait. Et qui est donc une animation donc des joints faits dans Fusion. Je vous expliquerai comment on peut faire ça. Ça peut être pratique, utile pour certains cas, et surtout pour montrer d'une manière un peu plus vivante, on va dire, la réalisation. Que juste le dessin, comment dire, la modélisation dans Fusion. Peut-être un peu plus parlant. Hein? Voilà. Alors on fera ça dans des vidéos futures. Donc, même si là pour l'instant notre objet, notre gabarit de perçage, il est fini, on est loin d'avoir fini la série de vidéos. Ben, merci de votre attention. Comme précédemment, surtout n'hésitez pas à commenter, à poser des questions si vous le souhaitez. Abonnez-vous à la chaîne parce que, comme je l'ai dit, des vidéos futures, il y en aura. Allez voir sur mon site web et éventuellement abonnez-vous aussi pour recevoir la newsletter du site parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en préparation aussi de ce côté-là. Et ben voilà, merci, à bientôt. Portez-vous bien et imprimez bien. Salut!